Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo, du coup, ça sera la toute première sur, comme vous pouvez le voir, 2K21 My Team. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre la chaîne ou de me connaître sur cette vidéo, sachez qu'elle va énormément vous aider. Vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit like si tu passes sur cette vidéo. Tu mets ton petit like, ça coûte rien, c'est gratuit. Ça m'aide énormément pour le référencement et pour la visibilité. Je compte sur vous là-dessus, les gars. Allez, on va dire 200 likes sur cette vidéo. Alors cette vidéo, pour ceux qui jouaient à 2K20 My Team, c'est, dites-vous, j'ai trouvé la stratégie qui va remplacer le Quick Shoot STS, donc une stratégie sur laquelle vous pouvez marquer des paniers à toutes les actions en solo, à n'importe quel niveau, en Hall of Fame, avec n'importe quelle équipe, n'importe quel joueur. Bon, après, faut pas jouer avec des bronzes, mais la stratégie qui va vous faire marquer des paniers, car si vous avez eu le jeu à minuit comme moi, si vous l'avez vu hier, si vous l'avez acheté en magasin, si vous l'avez plus tard avec les livraisons retardées, vous verrez que c'est extrêmement compliqué de jouer à ce 2K21. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il faut faire, peut-être une mise à jour qui va arriver, je sais pas encore, mais c'est extrêmement compliqué de marquer des paniers en fait dans un jeu, une simulation de basketball. C'est compliqué de marquer des paniers. Bon, bref, je me suis assez plaint hier en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitch, les gars, il sera en description, première ligne. Je vais live tous les jours sur le 2K21, faire des vidéos quasi tous les jours, même plusieurs. Je compte sur vous pour être présent sur ce début d'année, les gars, ça va être le plus important. Comme vous pouvez le voir, hein, ceux qui savent pas, j'ai 100 000 VC. C'est parce que j'ai précommandé le jeu, du coup j'ai l'édition Mamba Forever, donc j'ai les récompenses attribuées pour la précommande. Donc, les gars, vous allez être surpris, mais la stratégie qu'il faut posséder, c'est la stratégie des Nets. Donc elle coûte un petit peu cher, hein, parce qu'il y a quelques Américains qui l'ont trouvé aussi. Elle est aux alentours des 2-3 000. Mais bon, voilà, vous jouez quelques petits matchs, vous avez précommandé le jeu, vous avez déjà 10 000. Donc vous avez de quoi vous prendre la strat des Nets. Ensuite, les gars, j'aurai pas mal de packs. Je vais faire une vidéo pack opening, une vidéo explication. Je vais faire plein de vidéos. Donc je compte sur vous, dès que vous voyez la notif, les gars, le petit like, je compte sur vous là-dessus. De toute façon, vous êtes des monstres. Donc du coup, voilà. Alors, vous appliquez du coup la stratégie des Nets, hein, vous mettez ça, vous savez faire, vous allez dans modifier la formation, franchise, stratégie des Nets, voilà, du coup mon équipe, moi, bah, je pense qu'on la verra là. Ensuite vous allez en domination comme vous pouvez le voir, en Hall of Fame directement, voilà mon équipe. Bon, c'est vraiment pas ouf, hein, j'ai toujours pas ouvert mes premiers packs, j'ai Carmelo 85 et Jamoran 82 qui sortent un petit peu du lot, mais là on va s'y mettre sérieusement. Donc voilà, je vais vous montrer du coup comment gagner les matchs en solo, car comme vous l'avez vu, c'est extrêmement compliqué. C'est voilà, c'est le début de 2K21. Il me semble pas que c'était comme ça. J'ai eu le jeu au tout début de 2K20 aussi. Je l'avais acheté le jour de sa sortie. Il n'y avait pas de truc comme ça. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais j'ai eu déjà énormément de retours de gens qui n'arrivaient pas à marquer de panier comme moi. Heureusement que j'ai trouvé ça pour vous aider, les gars. C'est un remake de Quick Shoot STS, donc la technique infaillible un petit peu dans 2K20 qui nous aidait à gagner tous les matchs en Hall of Fame, tous les matchs compliqués. Donc là vous allez faire start, vous allez dans organisation tactique, ensuite vous allez mettre paramètres offensifs, vous allez dans choix de la tactique, vous mettez sur la quatrième case, encore une fois, hein, quatrième case, je vous expliquerai pourquoi, et vous allez mettre cut 21 dive. Donc ça, le cut 21 dive, ça va être le quick shoot STS, hein, tout simplement. Donc voilà, vous faites retour. Ensuite vous allez le mettre en place en appuyant deux fois sur L1. Du coup voilà pourquoi je le mets à la quatrième. Ceux qui ont vu mes vidéos explications pour avoir Larry Bird, Steph Curry sur 2K20, et bah vous savez très bien pourquoi je dis ça. Bon, après les gars, j'ai des joueurs vraiment moyens, ça va peut-être pas passer tout le temps, mais croyez-moi que ça va vraiment vous aider à gagner les matchs, même tous les matchs en Hall of Fame, avancer dans la domination. Donc là on va faire une bonne défense contre RJ Barrett, et après je vais vous montrer directement. Donc vous prenez votre meneur. Donc comme pour Quick Shoot STS, hein, vous activez la tactique, vous mettez sur le rond. Et là, je détrompez-vous, ça sera pas exactement si simple. Hop, là vous faites la passe, vous attendez, Jamoran qui va couper au panier. Et voilà, c'est exactement le même principe. Voyez, ça arrive au même moment de la stratégie. Mais là, bon, il était un petit peu derrière. Des fois, il est largement devant. Je vais essayer de vous le faire plusieurs fois. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une stratégie. Avec cette stratégie des Nets, elle est vraiment incroyable. Elle va nous aider tous les ans à gagner les matchs les plus durs. Bon, après, du coup, il n'y a pas vraiment de challenge. Mais bon, c'est du solo. On est là pour gagner. On n'est pas là pour progresser en solo. Alors, cut 21 dive. On l'active encore une fois. On se décale avec Jamorant. On fait la passe. Et notre Jamorant qui coupe au panier, les gars. Regardez comment c'est simple. Je suis vraiment super content. Hier, croyez-moi, les gars, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont sorties.
acheté la stratégie des nets, j'ai vu qu'elle coûtait plus de 1000. Après, j'ai vu 2000, je me suis dit, ok, il y a un truc, il y a forcément un truc sur cette stratégie. J'ai essayé toutes les tactiques, les gars. Je suis allé en solo, j'ai essayé toutes les tactiques à la fin de mon live, donc à plus de 2h du matin, pour essayer de vous trouver une vidéo pour vous aider tout simplement sur Stuke 21 qui est extrêmement compliqué. Du coup, j'ai passé plusieurs heures et j'ai enfin trouvé la stratégie. Et après, du coup, j'ai regardé et tous les Américains parlaient de cette stratégie. Regardez, c'est vraiment le Quick Show STS, c'est la même chose. Et je suis vraiment super content d'avoir trouvé ça, je viens de le dire. Les gars, vraiment, je compte sur vous pour mettre un like sur cette vidéo. Ça, c'est vraiment important pour moi. Après avoir trouvé un truc pareil qui va vous aider toute l'année là, je compte sur vous. Donc voilà, je vais quitter le match, hein. J'espère que cette vidéo vous a plu, les gars. Si elle t'a plu, abonne-toi si t'es nouveau. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à me suivre sur Twitch. Je vais être en live très souvent, très régulièrement. Les vidéos YouTube, ça va suivre. Là, dans les prochains jours, là, je vous parle dans les 24-48 heures, il y aura une vidéo explication de comment bien débuter NBA 2K My Team et une vidéo pack opening. Les gars, on va faire un pack opening ensemble. Donc voilà, je suis vraiment content, hein, je vais passer une année de plus avec vous sur 2K21. Comptez sur moi pour être présent. Je vais faire mon maximum. J'espère que vous serez là en retour à regarder les vidéos, à mettre vos petits likes, à m'aider à atteindre mon objectif, mon vraiment gros objectif qui est d'atteindre les 10 000 abonnés. Je sais pas, peut-être que c'est gros, j'en ai parlé sur Twitter. Mais mon objectif, c'est vraiment d'avoir les 10 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour ça, les gars. Ça me ferait vraiment super plaisir. On va rester une dernière fois avec DJ Barea. Ça me paraît compliqué, il est tout petit. Ouais, voilà, je me suis fait contrer, mais vous voyez, j'ai deux lancers, donc ça passe. Bon, après, j'étais pas forcément concentré, je vous parlais, donc je suis en train de perdre le match, mais on va marquer. Oh là là, les lancers francs, le dernier lancer franc, ensuite on va finir la vidéo là-dessus. Ah bah, on rate les deux lancers francs. Allez, moi, je vous dis à très très vite sur YouTube, les gars. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, passez un bon week-end pour ce premier week-end de 2K21, et moi, je vous dis, allez, salut les gars.